Bonjour et bienvenue dans l'émission Mieux vivre à deux. Vous êtes peut-être confortablement assis dans votre salon en train de regarder cette émission en couple, si possible. Et le titre de l'émission sera ⁇ Faire un bilan de couple ⁇ Alors bien sûr, peut-être y aura-t-il des choses que vous aurez un peu de difficulté à entendre, mais ne vous en faites pas. Nous n'allons pas vous malmener. On va plutôt vous proposer des pistes de réflexion pour que vous puissiez clairement faire quelque chose qui vous permettra peut-être d'avoir des possibilités de vivre quelque chose de mieux à deux. Un bilan de couple. Bien sûr, c'est tiré non pas de choses théoriques, de livres ou d'autres éléments, mais c'est plutôt des éléments qui sont tirés du terrain. Un terrain que nous expérimentons en particulier par le conseil conjugal par rapport aux couples qui viennent, qui nous posent des questions, qui viennent avec des difficultés et qui font que, soudain, on a besoin de clairement faire un bilan. Alors, c'est sûr, le couple est un sujet par excellence, où tout le monde dit facilement, je sais, je connais, je n'ai pas besoin d'être enseigné. En réalité, c'est vrai, c'est logique. On n'a pas besoin qu'il y ait un mentor à côté de soi pour vivre bien, confortablement on apprend le couple de façon instinctive dès le début de la vie à deux. Et en fait, nous nous basons sur un certain nombre de modèles que nous avons reçus, par exemple de nos parents, de nos grands-parents quelquefois aussi, ou alors, effectivement, de ce que la société nous propose. Alors pourquoi participer à une session de couple qui, finalement, soit sous forme de cours, conférences ou d'émissions comme ça, va nous permettre de vivre du coaching, vivre une forme d'amélioration de notre vie de couple. Voilà, c'est donc quelque chose que nous, nous aimerions vous proposer pour ce temps d'émission. Une réponse qui peut être donnée, effectivement, c'est que le couple sera jusqu'au bout euh, un atelier, en fin de compte un lieu d'apprentissage, un projet à remodeler. Quelque chose qui ressemblerait à une maison côté cour, côté jardin. Dès lors, prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, d'évaluer, de remettre en question peut-être le couple, permettra justement de refaire un projet stimulant, quelque chose qui vous permettra effectivement de durer. C'est la suite de la vie de couple que nous aimerions viser et c'est la raison pour laquelle on vous propose de faire un bilan. Alors, Qu'est-ce qu'un bilan Un bilan, bilan c'est simple. C'est simplement arriver au garage et mettre la voiture sur les plots. Donc, on va arriver au garage, proposer au garagiste d'ouvrir la porte, du, le capot, et puis de faire un grand service ou un petit service. Bien sûr, les gens me diront peut-être, bon, écoutez, on, on fait nos services nous-mêmes. Mais quelquefois, je dis en plaisantant, est-ce que ça, ça vous arrive aussi de remplacer vos pneus Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous arrive de créer vos pneus vous-même Vous avez des EVA dans votre jardin Et là, on me dit non. Alors vous voyez, vous avez de la, de la peine à tout produire par vous-même, et donc c'est nécessaire de temps en temps d'amener votre voiture au garage. Oui, un service, ça implique de changer des pièces, ça implique de mettre de l'ordre dans une mécanique qui va peut-être pas si bien aller que ça et donc dans ce sens là c'est nécessaire et on sait que quelquefois même on paye assez fort la facture du garagiste de la même façon on fait régulièrement le tri des denrées d'un frigo euh, Bien sûr on peut consommer certains produits même après euh, la date de péremption néanmoins on aime bien quand même avoir des produits frais et parfois, on est obligé, malheureusement, de jeter certaines choses. Eh bien, finalement, c'est la même chose dans le couple. Et puis, si on va encore un petit peu plus loin, c'est également la même chose avec des médicaments. Bien sûr, vous pouvez consommer des médicaments assez loin dans le temps, mais il y a un moment donné où réellement, vous devrez en faire le tri. Alors, par rapport au couple, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire qui touche effectivement un bilan ben, Pourquoi pas prendre le temps régulièrement de faire un petit check-up de son couple, de se dire comment ça va, comment est-ce qu'on est qu vit, qu'est-ce qui se passe entre nous, est-ce que c'est de bonne qualité Alors oui, effectivement, on peut chercher ensemble les éléments positifs qui nous rassemblent, les ressources fondamentales du couple, aller se dire mais on a bien vécu tel et tel moment, c'est formidable. Mais c'est vrai que un bilan, ça peut aussi révéler quelquefois des dysfonctionnements. Vous pensez peut-être oui, effectivement, je m'ennuie dans ma vie de couple. Vous avouez parfois que ça n'avance plus beaucoup. Hein on n'avance pas parce que quelque part, c'est comme si on était sur les plots. On a une belle voiture, mais elle ne fonctionne plus. Et puis, ça vous est arrivé de vous poser la question. Est-ce que mon mari aime davantage regarder le foot que me regarder moi Est-ce que ma femme préfère le saut en parachute ou en parapente que me sauter dans les bras. Et que puis-je faire quand je m'aperçois que l'autre finalement pourrait être un danger Alors que nous rêvions d'une aventure à deux, eh bien nous voilà plutôt paralysés, immobilisés. Je dis parfois à l'autre, mais j'en ai marre de ramasser tes chaussettes sales. J'en ai marre de nettoyer le lavabo. J'en ai marre effectivement de nos conflits. J'en ai marre des enfants qui crient. Je me retiens de dire, marre de nos silences, marre de nos bouderies, de ces moments qui n'en finissent pas où je ne te vois plus pendant deux jours. J'en ai marre de la télévision. J'en ai marre de ton boulot trop prenant. Et puis, marre de tes amies envahissantes. Et pourquoi toujours ce monde autour de nous Il y en a marre. Et alors que nous dit le monde par rapport au sujet des couples et familles. Euh, le monde moderne propose un certain nombre de choses. Et il nous dit par exemple si ça ne va pas, arrête Si tu n'en peux plus, il vaut mieux s'en aller avant que ça ne tourne mal et que vous échangiez éventuellement quelques coups. Ou encore ne gaspille pas tes belles années. Tu vois, t'as encore tout à vivre. Ou encore regarde autour de toi. Tout le monde fait pareil. Mais, mais, heureusement, que faire un bilan de couple n'est pas aussi négatif que cela. Effectivement, on remarque que durer, c'est possible quand la complicité s'est mise en place, qu'une complicité, elle respire, elle vit comme quand on fait de la course à deux. Ou alors, encore, quand on voit de vieux couples qui sont là, qui se donnent la main, qui ont beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, ça fait quand même envie. Donc, en considérant les principaux piliers de notre couple, nous allons réaliser qu'il y a des éléments qui sont solides et stables au milieu de nous. On les a peut-être simplement oubliés. Et puis en prenant conscience d'autre part que les divers problèmes qui peuvent ralentir ou paralyser notre couple, nous allons mettre en place des éléments qui vont nous permettre justement d'aller à contre-courant de ce que la société nous suggère. Cela va nous encourager à faire régulièrement notre bilan de couple. Et la question qui va se poser, bien sûr, c'est où en sommes-nous Alors, on va vous proposer quelques possibilités de vous situer. Est-ce que vous êtes dans une phase de bonheur, d'équilibre réjouissant, ou stable avec parfois des hauts et des bas, ou alors avec des conflits réguliers, mais encore capables de les résoudre et de les dépasser, ou alors sans conflit, mais indifférent et inactif, ou alors un peu plus loin blessé par des conflits récurrents, inquiet de voir la situation se dégrader, ou encore menacé, l'un des conjoints souhaite régulièrement s'en aller, ou alors menacé suite à une, une liaison extraconjugale de l'un des partenaires, quelquefois même des deux, ou alors actuellement séparés, cherchant à voir si une reconstruction est possible. Puis si on va un peu plus loin, peut-être séparés mais réconciliés, encore dans une phase de fragilité, en rupture, menacés de divorce ou en instance de divorce, ou encore finalement divorcés, remariés dans une phase de redémarrage con conjugal et finalement en reconstruction, dans l'espérance d'une plus grande stabilité. Alors vous voyez que tout cela... Nous nécessite effectivement de faire une évaluation, un bilan. Et nous vous proposons de faire ce bilan sur les différents aspects de la vie du couple. Regardez un tout petit peu comment ça se passe. Vous avez 20 thématiques. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Quelquefois, les gens ne savent pas quoi se dire. Je leur dis, mais simplement, discuter du couple, discuter de ces thématiques. Regardez ce que cela donne les intérêts, le choix du conjoint, les personnalités la communication, la sexualité, les finances, les rôles, l'amour, les familles d'origine, la parentalité, ou encore la foi, la spiritualité, l'habitat, les projets de couple, les loisirs, les conflits, les jalousies, les changements, la fidélité et la durée, les défis individuels, la vie quotidienne et les ressources. Vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas de quoi s'ennuyer dans le couple. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est vraiment de prendre le temps de faire ce petit bilan. Ça vaut la peine. Non seulement ça va être sympathique, vous allez peut-être vous amuser un peu. Et puis même dans les zones difficiles, ça va vous permettre vraiment de refaire un projet de couple. L'idée, c'est bien sûr d'arriver peut-être avec de nouveaux éléments. Des éléments qui vont vous motiver, qui vont vous stimuler. Alors pour cela, nous vous proposerons bien entendu une petite évaluation de notre relation conjugale. Et dans ce sens, un document sera à votre disposition si vous voulez le faire tranquillement chez vous. Maintenant, pour changer les zones mal cotées qui ne fonctionnent pas bien, comment faisons-nous Eh bien, nous aurons la réponse à la prochaine session. Merci beaucoup de votre attention.